Il y a un dicton qui dit que lorsqu'une petite porte se ferme, ça veut dire qu'il y a une plus grande qui va s'ouvrir. Comme tu peux le constater, je suis à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle. Eh bien, rien ne nous avait prédestiné à pouvoir organiser un événement aussi prestigieux dans un lieu aussi charismatique. Je te raconte, la première édition du week-end de l'écrivain a eu lieu en 2022 du côté de l'hôtel Hilton de la Défense. Entre nous, soit dit, on voulait quelque chose de beau pour nos auteurs parce qu'on estime que l'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Décider d'écrire un livre, c'est décider de devenir immortel. Et lorsqu'on est immortel, eh bien, on se rapproche des dieux. Et lorsqu'on est un dieu, on se doit de bénéficier d'un traitement prestigieux. Voilà pourquoi on a décidé d'organiser cet événement-là dans l'un des plus beaux hôtels de la région parisienne. Donc, au cours de la première édition à la Défense, il se trouve que tout se passe bien et on veut relancer cela à la deuxième édition, toujours du côté de la Défense. Sauf que on avait payé tout le cachet et à 3 mois de l'événement, la responsable nous appelle et nous fait comprendre que finalement, on n'a plus la salle pour des raisons de travaux. Et là, tout de suite, nous, on savait que lorsque quelqu'un nous dit non, non, c'est traduit en anglais par no, N-O, qui veut dire next opportunity. Pour les francophones, prochaine opportunité. Donc, on s'est dit, quelle est l'opportunité que cela nous offre? Eh bien, à la place de l'hôtel Hilton de la Défense, qu'est-ce qu'on a eu? L'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, un hôtel 4 étoiles, charismatique, avec une salle plus grande, pouvant accueillir plus de monde pour nos auteurs qui, en notre sens, ont un message très puissant à te partager. Maintenant que tout ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans ce lieu magnifique, dans ce lieu iconique, dans ce lieu prestigieux, afin que tu puisses faire un petit tour avec nous, si jamais tu n'as pas pu faire le tour avec nous l'année dernière. Pour que tu puisses mesurer un peu le calibre de l'événement qu'on veut organiser, parce que, bon, la porte ici, il faut passer. Là, vous voyez les portes, la porte même d'abord est charismatique. Bon, Fanel, viens, il ne faut pas que ça nous prenne ici. Donc, on va te faire visiter rapidement. Il y en a qui sont habitués, il y en a qui le sont moins. Mais j'ai envie de te dire que l'énergie qu'on y mettra la prochaine fois, ça sera juste énorme. Bref, là, tu vois, tu es à l'entrée. Bon, tu le vois, le sol, il est marbré. C'est pas moi qui dis. L'entrée est charismatique. Donc, en venant, tu mets ta plus belle tenue, tu mets le parfum, même l'insecticide. Tu mets, hein, tu vois un peu. Donc, il faut mettre la tenue de mariage, tu vois un peu, pour venir ici. Ça sera juste exceptionnel. On a des invités qui sont très, très lourds. On a Maître Mbeko Taboula qui nous fait l'honneur d'être présent avec son verbe tranchant. On a Yann Amon qui vient tout droit de la Côte d'Ivoire, le caïd de l'immobilier, s'il faut dire ça comme ça. Entrez et prenez. On a Karamo Sangare. Monsieur, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. On a Didi Choco, on a Pascaline Kamokwe. Bref, là, je te parle juste des invités d'honneur, il y en a plein d'autres. Et comme j'ai pour habitude de le dire, c'est derrière quelqu'un qu'on devient quelqu'un. Et très souvent, tu as un contact de pouvoir réaliser tes rêves, de pouvoir atteindre les objectifs que tu t'es fixés cette année. Donc, quand on décide de réunir tout ce beau monde dans un lieu comme celui-ci, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'on sait qu'au-delà de ce que tu vas apprendre, il y a surtout les personnes que tu vas rencontrer qui vont te permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Parce que, comme tu le sais si bien, il y a deux manières d'apprendre. Soit tu apprends de tes propres expériences, soit tu apprends de l'expérience des autres. Tout ceci est dit, on va aller dans la salle afin que tu puisses un peu voir ce qui t'attend. Déjà, si tu peux faire un petit plan sur l'entrée de la salle là. Donc, je te laisse voir l'entrée de la salle. Tu vois, c'est magnifique. Un beau lieu avec les bons esprits pour apprendre les bons messages. Il n'y a rien de mieux que ça. Donc, il y aura des conférences, il y aura des ateliers, il y aura des face-à-face, il y aura des formations parce que Karamo donne une formation sur comment vendre des milliers d'exemplaires de ton livre en un an. Parce qu'écrire un livre, c'est bien, le vendre, c'est encore mieux. Et pour ça, tout est une question de stratégie. Et on ne s'arrête pas là. Parce qu'il y aura un thème sur l'immobilier, 100% immobilier par Martial. Il y aura des thèmes très piquants dont le titre est « Je veux mon blanc ». Donc, pour tous ceux qui veulent se mettre en couple dans les mariages, pour les mariages mixtes, on aura ce qu'il faut. Bref, on continue le reste dans la salle. On va rentrer dans la salle. Comme tu peux le constater, très charismatique. Je suis avec Monsieur Eman Kamga 2, notre sponsor officiel, Copili. Ouais. Bon, est-ce que tu peux dire un petit truc? Bon, non, il va parler après. C'est moi qui parle maintenant. Hein. Il va parler après. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle le foyer. Ici, ça s'appelle le foyer. Donc, c'est ici, quand vous allez arriver à 9h précises, parce qu'on démarre à 10h, peu importe le nombre de personnes qu'il y aura. Ça s'appelle le foyer. On va faire un petit tour du foyer. Voilà. Ici, pour nos différents partenaires, il y aura des stands pour nos partenaires partout là. Il y aura des stands, donc vous aurez de quoi vous rincer l'œil. Et ce n'est pas tout.
Il y aura aussi un buffet 4 étoiles qui va être servi par un traiteur de haut vol. Donc, on va jouer avec vos papilles gustatives. On va joindre l'utile à l'agréable. Et comme si ça ne suffisait pas, vous aurez aussi droit, pour tous ceux qui ont pris leur place, on vous l'a dit, il y a un livre au choix qui est offert, donc il y aura de tout. Bon, avant d'aller dans la salle principale, je vais vous faire visiter un petit espace pour nos invités privilégiés ou pour ceux qui veulent se donner de la valeur. Il y en a qui veulent se donner de la valeur. Et cet espace, c'est le carré VIP. Là, pour le moment, ça n'a l'air de rien, mais je vous rassure, quand on va embellir cet espace, ça sera juste magnifique. Bref, pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, ils étaient bien. On a même un espace pour ranger vos costumes et tout. Bref, ça, c'est le carré VIP. Il n'y a qu'une certaine élite. Ceux qui se donnent vraiment de la valeur. Parce que ce que nous, on veut, c'est que ceux qui vont venir à cet endroit, en sortant d'ici, qu'ils se disent, j'ai de la valeur, je vaux quelque chose. Ce genre d'endroit où il faut venir même une fois, au moins pour effrayer la pauvreté, tu vois un peu. Donc ça, c'est le carré VIP où on aura nos invités d'honneur. Donc pour ceux qui veulent faire le vrai réseautage, c'est ici qu'il faut être. On aura nos invités d'honneur, on aura les auteurs conférenciers. C'est ici, un lieu plus intime où vous pourrez mieux échanger. Et quand on se retrouve dans ce genre de lieu, c'est pas pareil. Mais bon, pour ceux qui ne pourront pas y avoir accès, c'est pas plus mal, c'est pas mauvais. Parce que bon, voilà, même ici, vous pourrez réseauter, mais c'est sûr que quand on est en toute intimité, c'est pas pareil. Bon, viens, on va les amener. Ah oui, il faut qu'on leur montre le lustre. Tu vois que ce lustre est magique. C'est un lustre magique. Très, très charismatique. Bref, on va les amener dans les toilettes. Pour qu'ils voient le niveau de détails qu'il y a dans cet établissement, on va dire. Donc, les toilettes. Vraiment, tout est très raffiné, tout est très mesuré. Voilà. Les toilettes. Bon, ça, c'est les toilettes pour personnes en état de handicap. On n'est pas à l'étroit pour personnes en état de handicap. Ça, c'est les toilettes pour femmes. On leur montre les toilettes pour femmes. Je crois que ces toilettes sont plus grandes. Je crois que c'est la maison de certaines personnes. Juste les toilettes. C'est la maison de certaines personnes. Vous n'êtes pas ici, mais ça sent très, 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 très bon. Très, très bon. Fanel, tu confirmes, non? Ça sent très, très bon. Bon, après, il y a les toilettes par là. Bref, on ne sera pas à l'étroit. On sera bien. On sera bien. Donc, maintenant que vous avez vu tout ceci, je vais vous amener de l'autre côté. On va vous amener dans le temple du savoir. Hein? Le temple du savoir. Donc, suivez-moi. Donc, je fais ça pour casser certaines barrières dans la tête de certaines personnes. Et je tiens à préciser qu'on a démarré ici, on a démarré cette aventure avec un téléphone portable et une connexion Internet. Mais maintenant, quand on arrive à louer ce genre d'endroit, on se dit, il y a encore du chemin à faire parce que la prochaine étape, c'est le château de Versailles. On doit aller remplir le château de Versailles. C'est ça la prochaine étape. On aimerait que nos auteurs, quand ils arrivent, qu'ils soient dans un lieu magistral. Donc, nous sommes dans le temple. El Templo. Oh là là, bon, ne vous fiez pas à la déco, c'est apparemment ils sont en train d'aménager pour un autre truc. Mais moi, ce qui me fascine dans cette salle, c'est ce lustre. Ce lustre est divin. Ce lustre est magnifique. Voilà pourquoi je vous dis, on attend un peu plus de 500 personnes ici. Moi, on ne va pas s'arrêter là parce que la prochaine étape, c'est Château de Versailles. Donc imagine-toi en tant qu'auteur, entrepreneur, devant plus de 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, en train de partager ton message au monde entier. Imagine ce que à quel niveau ça peut propulser ta notoriété, ton business et même ton charisme dans les affaires. J'aime souvent poser une question, selon toi, combien coûte ta notoriété en tant qu'auteur? Je précise une chose, écrire c'est bien, vendre c'est mieux. Donc si jamais tu es entrepreneur, tu as un message que tu veux faire passer, c'est le lieu par excellence. Voilà, c'est la mission que nous on s'est donnée chez Argent Livre. C'est de mettre la lumière massivement sur les auteurs, entrepreneurs, visionnaires africains. C'est là qui est écrit, il faut impacter. Et pour ça, nous sommes ici pour le moment. C'est une étape à franchir, mais pour le moment, c'est ce qu'on propose et c'est déjà magnifique. Je le dis sans prétention, je ne connais aucun événement autour des auteurs qui sera aussi puissant que celui-ci. Parce que vous aurez des messages qui sont concrets, qui pourront véritablement vous permettre d'avancer dans la vie de tous les jours. Ça passera par l'immobilier, par le fait de discipliner ses pensées. Ça, on partira aussi sur des thèmes tels que la vente et tout le bazar. Bref, ça sera magnifique.
Je n'en parle, je n'en dis pas plus que ça. Et on se donne rendez-vous, c'est 4 mai, on est ensemble. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles-de-Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3e édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrer les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.